living in the moment. And here we are, dreaming in the open. Now look around, isn't this a new day? Make a move, doing things a new way. A new way. Cause this is our world, and this is our time. These are our plans, we're gonna let them shine. This is our place, in the human race. And we won't stop dreaming, no we won't stop dreaming. Look ahead, we can see forever. Together, light it up, we can be a million stars. Look at us, don't you see we've come so far? Yeah, we've come so far. Cause this is our world, and this is our time. And these are our plans, we're gonna let them shine. This is our place, in the human race. And we won't stop dreaming, no we won't stop dreaming. Standing at the crossroads, feeling how the wind blows. We can soar above the clouds. Every moment is a heartbeat, and every and who can say what happens now? Cause this is our world, this is our time. These are our plans, we're gonna let them shine. This is our place, in the human race. And we won't stop dreaming, no we won't stop dreaming. This is our world, and this is our time. And these are our plans, we're gonna let them shine. This is our place, in the human race. And we won't stop dreaming, no we won't stop dreaming. We won't stop dreaming. Vous savez, quand tu rencontres la bonne femme ou quand tu rencontres la femme parfaite que Dieu a choisie pour toi, tu n'as pas besoin de forcer les choses. Tu n'as pas besoin de forcer les choses. Souvent, tu t'attends à ça, elle n'a même pas besoin de te le dire, elle fait ci. Donc, vous vous complétez, vous comprenez. Et c'est ainsi de suite que les choses se sont tissées jusqu'à ce niveau. Et je rends grâce à Dieu pour cela. À toi, ma belle, je te dis merci pour les efforts que tu as fournis. Je te dis merci pour le combat parce que je sais que tu as passer plus de temps à genoux, à prier et à demander à Dieu de faire beaucoup de choses. Et beaucoup de choses, là, c'est ce que tu es en train de vivre et voir aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu pour d'abord avoir transformé ta vie et utiliser la tienne pour transformer encore la mienne. Et je te dis merci pour les efforts que tu as fournis et ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Si tu n'étais pas là, ça, il fallait recommencer encore le processus et demander à Dieu de créer une comme toi. Mais ça allait être difficile. Parce que je sais. Pour les jeunes, c'est pas dans les boîtes et les bars que vous allez trouver vos femmes. Donc, la femme que Dieu a choisie pour toi, c'est celle qui s'inquiète, c'est celle qui se cache, qui se met de l'autre côté pour demander à Dieu de faire beaucoup de choses dans ta vie sans que tu ne saches. Moi, ma femme passait le temps à jeûner et prier sans que je ne sache même pour que ma situation devienne celle qu'elle est aujourd'hui. Et ça, trouver une femme, c'est celle qui craint Dieu. Et si tu l'as, dis merci à Dieu et fonce, n'attends même pas. Ouais, n'attends même pas. Aujourd'hui, c'est une très belle journée pour mon ami de longue date, Ismaël Compaoré. Aujourd'hui, c'est son grand jour. J'ai suivi de près tout ce qui s'est passé entre lui et puis sa future femme. Et aujourd'hui, nous sommes très contents. Je suis particulièrement content pour lui. Il m'a choisi comme best man pour être à ses côtés pour cette journée qui est très spéciale pour lui.
pour tous nos invités venus des États, de l'Église au Vivre ou du Burkina Faso. Je vous remercie beaucoup pour cette présence. Vous avez bien voulu honorer la journée. Votre présence est très bien. Nous souhaitons que vous allez avoir un bon moment et témoigner à votre présence l'union des deux frères. Que Dieu vous bénisse pour cette nouvelle aventure. Mon vœu le plus cher, c'est que ce couple s'entende, qu'il fleure à mon soir bâtissier du roi et qu'il puisse vraiment vivre ensemble dans un amour parfait, l'amour de Jésus-Christ. Que Dieu leur donne des enfants, des merveilleux enfants. Que Dieu leur donne le bonjour, que Dieu les bénisse et les bénisse. Je suis vraiment très heureux et pour commencer, je veux rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a permis que ce grand jour arrive. Et je remercie tous ceux qui se sont déplacés, les responsables de l'Église et tous les amis et les parents qui étaient là. Je souhaite vous marier et heureux ménage avec le Christ. Ce sont des jeunes engagés avec le Seigneur et je sais que Dieu est fidèle. Je dis cela parce que je l'ai expérimenté et je sais qu'un foyer bâti sur le Christ est un foyer que Dieu vous bénisse.
said, well, you better act like this is your wedding day. He said, Amen. Put your hands together for the bride. I'm going to ask our pastor, Lindsay Robinson, to come up at this time and he's going to open us up in prayer. I know your presence here, O God. And Lord, as your presence was known at the wedding at Cana of Galilee, we ask that your presence be known here and now. We thank you, Lord, for Ishmael. We thank you for Nadine. We thank you for their lives. That first and foremost, they've come to know you, in whom is life eternal. Thank you, Jesus, for saving them, Lord God. And Lord, in your mercy, you have given them one another, that they may join their hearts together in love, but that they may also lift up your name in a greater way than they ever had before, as they give you all the glory. So bless this ceremony, O God, but let it be more than just a ceremony, Lord. Let it be to them, Lord God, a moment of coming together that will allow them to live together in oneness from now until you call them to yourself. Bless them, make them a blessing. Bless this time, Lord God, and everything that is said and done, and we will give you all the praise. In the name of Jesus, je te prie. Amen. That the world knows. You have the church. Nous avions l'église. You have the state. Nous avions l'État. And you also have the home, the family. Et nous avions la famille. Of the three, the greatest is the family. Mais parmi les trois, la plus grande est la famille. The family established by God, who says, "I bring two together la that I have God bless you." Et qui dit, amener deux personnes ensemble. And for this purpose, God made man and God made women. C'est dans cet objectif que Dieu a fait l'homme et la femme. That we would come to know each other in a personal and intimate fashion. Que nous puissions nous connaître intimement et personnellement. Under the call and design of our God. Et sous l'appel et l'objet, la bénédiction de notre Seigneur. God said it wasn't good for a man to be alone, so he made the woman as a helpmeet. Et Dieu a dit que c'est pas bien que l'homme demeure seul, c'est la face nette qui est la femme. And as a helpmeet, she wasn't taken from under his feet that he might walk on her. Et comme son aide n'a pas été prise de sous ses pieds pour qu'elle puisse être piétinée. Nor from his head that she might have rulership over him. Et pas sur sa tête pour qu'elle puisse diriger l'homme. But according to the word of God, she was taken from his side. Mais selon la parole de Dieu, elle a été prise de son côté. Not walking behind or ahead. C'est pas derrière où elle a été prise. But from the side that she might own his love. Ça veut dire tout à côté de lui afin de pouvoir mériter son amour. From the side that she might know his protection. Et du côté pour être protégée. From the side where she might speak words of wisdom into his spirit. Et à côté pour qu'elle puisse recevoir la sagesse oui, dans son esprit. Even as he would do the same for her. So we recognize that when we talk about marriage, it's about a coming together. Two minds that come into unity. Two hearts that beat with the same message. Two entities that come into one. That they might share the same nature. Afin de partager la même nature. A nature that is founded and based. Ça veut dire la nature qui est fondée et basée. In the understanding that we were created in God's image. Avec la compréhension que nous sommes créés en image de Dieu. And as a result, we walk according to God's design. Et conséquemment, nous marchons selon les plans de Dieu. The Bible says that arms of flesh will fail. Ça veut dire la parole de Dieu dit que la chair de sang va faillir. The wisdom of man will fail. C'est la sagesse de l'homme va faillir. The logic of man will fail. C'est la logique de l'homme va faillir. But when a man's faith and a woman's faith is in God. Ça veut dire, mais si la foi et la foi de l'homme et la femme est fondée sur Dieu. We come to realize that there is no failure. C'est-à-dire, nous venons comprendre qu'il n'y a pas de faillite. In God. En Dieu. So though we might stumble and fall at some time. Souvent qu'on peut s'entourer, tomber ou bien. C'est-à-dire, trembler ou tomber. We are not, as the Bible said, utterly cast down. Nous ne sommes pas abandonnés.
Because God upholds us with his own hands. Avec sa propre main. I'm so glad that we can know a Savior like Jesus Christ. Je suis très content qu'on peut connaître un sauveur comme Jésus Christ. That in the time of trouble and confusion, and sometimes when you have two different people trying to come together, you will find trouble and confusion. Quand deux personnes viennent ensemble, vous allez comprendre et vous allez voir la confusion et le trouble. I can't get any help in here. Est-ce qu'on peut avoir un soutien? Y'all act like you don't know what I'm talking about. Vous savez ce que je veux dire. When you bring two folk brought up differently together, you will find. Si vous amenez deux personnes différentes ensemble. That sometimes things just don't make sense. Ça veut dire il y a des moments où les choses, on peut pas comprendre les choses. Things don't add up. Ça veut dire les choses ne s'ajoutent pas. And hurting people hurt people. Ça veut dire ceux qui sont blessés blessent les autres. But I'm so glad that there's a reconciler. Mais je suis très content qu'il y ait un réconciliateur. That when we get silly and stupid in our own way. Ça veut dire nous sommes stupides sur notre voie. There's a God that brings us back on course. Ça veut dire il y a un Dieu qui nous ramène sur le chemin. That we should open up our hearts and minds to hear His counsel. Afin de ouvrir notre cœur et notre pensée et pour écouter son conseil. And trust in His word. Et mettre notre confiance en sa parole. And let the words of a man be alive. Et afin que la parole de Dieu. Trust in the word of God. Do I have a witness out there? The Bible says we can do all things. Through Christ who strengthened us. And so it's important that Ishmael and Nadine always keep that in front of them. When trouble comes and you can't find your pastor, you know you have an advocate tu dois trouver savoir qu'il y a un avocat at heaven's door. Et ça veut dire qu'il y a des cieux. You don't have to call mama. Tu n'as pas besoin d'appeler ta mère. You don't have to call papa. Tu n'as pas besoin d'appeler ta mère. You call on the Father. Tu dois appeler le Père. Lord help. C'est de lui dire qu'il y a des cieux. And guess what? Et dit, he will. C'est dit, il va. Can somebody say amen? Et dit, quelqu'un dit amen. He's a steady comforter. Ça veut dire quelqu'un qui est un conforteur. He's a help in a time of trouble. Ça veut dire quelqu'un qui vient dans le moment de difficulté. And he'll restore the joy. Et il va restaurer la joie. Not only of your salvation. Ce n'est pas seulement pour le salut. But of the first time that you met. The first time that you met. Ça veut dire la personne que tu rencontres. And Ishmael, when you saw her walking down that street. Et ça veut dire quand tu marchais dans la rue. Something inside you said, "That's my wife." Et quelque chose t'a dit, voici ma femme. Tell the truth. Amen. And when you saw him for that first time, I was with your vision for the first time. You said, "I'll think about it." Je dis, je pense. And then you said, "No. This is the one. This is the one." And the rest, God has set in order. Et le reste, Dieu a mis en ordre. And so we are here today. Nous sommes là aujourd'hui. To celebrate. Pour célébrer. So put your happy face on. Put your happy face. Mettez votre joie dans vos figures. Put your happy face on. Ça veut dire, c'est easy. You didn't come over here on a slave ship. Et tu n'es pas venu ici sur moi dans la souffrance. Our ancestors did. Our ancestors did. Il s'est dit, nos réponses sont là. But we came here because God led us. C'est-à-dire, nous sommes là, effectivement, parce God que is in control. Dieu est au contrôle. Do I have a witness? Est-ce que vous avez so the joy of the Lord is our strength. Ça veut dire, la joie de celui de force. Amen. So I'm going to say, don't wait till we get downstairs and start dancing. Ça veut dire, n'attendez pas qu'on arrive en bas pour commencer à danser. Don't let just the wedding party do all the dancing. You ça, dance in your spirit. Ça veut dire, laissez pas tous ceux qui font partie okay, de la danse. Vous aimez danser. Amen. Amen. Praise, don't let this scare you now. I know you usually do it downstairs. Ça veut dire, laissez pas cette église vous faire comme vous avez l'habitude de faire en bas. We can have a good time in the Lord. Et nous allons avoir un bon temps, le Seigneur. Are you ready to move forward? Ça veut dire, nous sommes prêts pour avancer. I'm not moving forward to make sure the ça veut dire, on ne va pas avancer si vous me dites que vous êtes prêts à avancer. I'm going to have Pastor Warren Brown come at this time and give a big charge. Amen. To these meet this wonderful couple. Amen. Nous allons demander au pasteur Warren de venir. Praise the Lord. Willingly, I have come for 40 years. Et volontairement, je suis venu pour 40 ans. There's a saying which goes that marriage is. Il y a un proverbe qui dit que le mariage est. Not about finding the right person. Ce n'est pas trouver l'homme parfait. But being the right person. Mais c'est d'être l'homme parfait. And already I have seen that in Nadine and Ishmael, even in the way. Effectivement, j'ai vu ça dans
that they have been supporting each other, finishing each other's sentences. And I love the way she smiles at him. And my prayer is that you will be the head of the home that will keep that smile on her face for years to come. Marriage is work. You have to communicate. You have to guide to self. And you have to let Christ be the head of all matters. And already when you were walking down the aisle and singing that song, I see that you have already dedicated your relationship to the Lord. And you will both stand on His promises. And my prayer is that your marriage will be an inspiration and a blessing to many others, as the Lord will use you both to expand His kingdom. Amen. 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 You may go, the wife. C'est la femme du bishop. Ishmael. Ishmael. Are you prepared to make your vows before this congregation? Est-ce que tu es préparé pour faire tes vœux durant la congrégation? And a declaration. Et la déclaration. That this is the woman that God has given you. Et c'est cette femme que le Seigneur t'a donnée. And you commit yourself. Et tu t'engages toi-même. To be everything that God has ordained. Pour être tout ce que le Seigneur a ordonné pour que tu sois pour elle. As the head of a home. Comme la tête de ta femme. Taking on the responsibility. Prends toute la responsabilité. Of caring and nurturing. C'est de prendre soin et de donner compte. And keeping yourself only for her. Et gardant toi-même pour elle. And to you, Nadine. Pour toi, Nadine. Are you prepared to also make your vow? Est-ce que tu es préparé à faire ta vie? Before this company. Devant cette compagnie. To declare your support. Tu déclares pour déclarer que tu vas supporter. And continue to express your love. Et tu vas exprimer ton amour. To the man that God has given you. Et pour l'homme que Dieu t'a donné. To be the head of the home. Pour être la tête de ta famille. Even as you work as a partner by his side. Comme tu travailles en tant que partenaire. For the furtherance of God's divine purpose for your life. Pour que Dieu puisse accomplir cette plan dans votre vie. I'm going to ask that you come closer together. Do you take this woman to be your lawful wedded wife? To have to hold. Pour take her hand. From this day forward. Pour ce jour. Until that. Jusqu'à ce que l'amour vous sépare. If so, say I do. Si c'est ça dit, yes, oui. Yes, I do. Amen. Nadine, I want you to know that you are taking Ishmael. Nadine, je veux que ça, tu vas prendre Ishmael. To be your lawful wedded husband. Pour être ton mari, ta vie. To have and to hold. Through life's adventures. In good times and challenging times. That you are going to stand by his side. Be that faithful counselor. As God continues to enable you. To be all the woman that he has called. You to be in this man's life. In this hour and time. Et pour ce temps, if so, please say I do. Si c'est qu'on a dit, I do. I do. Yeah. Do you have rings? Est-ce que vous avez des bagues? They are melt made of gold. Ces bagues sont faites d'or. Which represents that element, cet élément, that is least tarnished. Qui est quelque chose de plus. And as rings, they are symbols of unity. And eternity. Et pour l'éternité. And as such, they are symbols that each of them will carry with them. Ce sont des symboles que les deux vont porter avec eux.
representing the vows that they have made, représentant les vœux qu'ils viennent faire, in the presence of God, et la présence de Dieu, and you, et dans en toi, that they will be faithful, et parce qu'ils vont devenir fidèles, to God, à Dieu d'abord, and to each other, et pour chacun, by the keeping power of God, par la puissance de protection de Dieu, and that as they have made these vows in our presence, et comme ils vont faire ces vœux, ils ont fait ces vœux à notre présence, that they are depending on God, et ils vont dépendre complètement de Dieu, to keep not only the devourer out of their relationship, c'est pour garder effectivement les vœux de leur relation, but that they will endure until God ordains, et ils vont persévérer jusqu'à ce que Dieu le sépare, our finite time to cease, et jusqu'à ce que notre dernier temps sur cette terre, an eternity to begin. Et encore pour l'éternité pour vivre. I'm going to ask you to take her ring. Je vais te demander de prendre cette bague. Place it upon her ring finger. Ça veut dire il faut la mettre dans le doigt. And repeat these words. Et reprends ces paroles. With this ring. Avec cette bague. I be wed. Je suis marié. In the name of the Father. Au nom du Père. The Son. Le Fils. And the Holy Spirit. Et du Saint-Esprit. You may place it upon the finger. And now may you take this ring. Take Ishmael by his left hand. Find that ring finger. And repeat these words with me. With this ring. I be wed. Je suis marié. In the name of the Father, au nom du Père, the Son, du Fils, and the precious Holy Ghost, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. To ultimately present ourselves faultless before His presence. I'm going to ask you all to stand one more time. And I want you to put your hand this way. I'm going to ask Pastor Wuma to speak a word of prayer over them in French while I lay hands on them. And I will pray a silent prayer in my native tongue, English. Nous voilà dans ta présence, Seigneur, pour te glorifier à travers ces liens de mariage. Seigneur, en célébrant, Seigneur, ce mariage, c'est une occasion pour Ishmael et pour Nathan de te donner la gloire. C'est toi qui l'as mis ici dans le jardin d'Éden. Et en le faisant ce couple, je te dis, tu es Dieu dans leur vie. Et Seigneur, c'est toi qui es capable de tout faire. Si Seigneur Jésus-Christ, c'est toi encore qui as organisé, orchestré leur rencontre et que leur vie dépend de toi. Et c'est pour cela, Seigneur Jésus-Christ, je voudrais, par l'autorité que tu m'as donnée en tant que serviteur, te prier au Seigneur comme tout a commencé par toi, toi qui as la parole, que tu les bénisses, Seigneur Jésus-Christ. Bénir est une bénédiction qui ne vient pas d'un homme, mais qui vient de toi. Enfin, qu'ils soient fructueux dans l'esprit, fructueux dans le corps, fructueux dans toutes leurs entreprises. Donne-leur de vivre une vie sur la terre qui va te donner la gloire. Seigneur, je te prie. Que ce couple soit un couple solide, fondé sur toi, le rosier des jazz. Je te prie maintenant, afin que ta main, qui a commencé, Seigneur, soutienne ce couple éternel, roi des armées. Je te prie, Seigneur, comme tu as dit, mon Dieu vivant, que ce que tu as dit, que personne ne sépare. Qu'une personne physique, qu'une personne spirituelle, n'amène, ne vienne entre ces deux personnes au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu les gardes dans le creux de ta main. Bénis le Seigneur enfin qu'il soit une source de bénédiction pour d'autres personnes. Je te prie que tu bénisses enfin qu'il laisse l'héritage, toi Jésus-Christ,
dans la vie de leurs enfants et que leurs enfants laissent toi Jésus-Christ dans la vie de leurs enfants. L'héritage, Seigneur, qui ne t'arrive pas, je te demande qu'il ne manque de rien sur cette, dans cette nation qui les a apportés. Bénis les saints enfants qui soient la lumière du monde, le sel du monde, pour leur génération, dans le nom de Jésus-Christ. Je te dis merci. Et encore une fois, merci pour cette occasion qui nous donne de célébrer ton nom à travers ce lien des mariages. Sois béni, sois magnifié. Dans le nom de Jésus-Christ, que tout le monde dise Amen. Praise the Lord. We have prayed and we have exchanged vows. Ça veut dire que nous avons prié et nous échangé de vœux. So now I pronounce you. Et maintenant, je prononce. Officially within the house of God. Ça veut dire officiellement dans la maison de Dieu. Husband and wife. Et mari et femme. And whoever would try to come against us. Et je prie celui qui va être venu dans cette situation. Mais c'est mal ou pas. We bind the person. In Jesus' name. Qu'ils sont au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. You may reach your God. C'est-à-dire que nous allons maintenant assister. Amen. Mr. and Mrs. Monsieur et Madame. Ishmael. Ishmael. And Nadine. Compaoré. Thank you.
Je me nomme Emmanuel Capri, je vous remercie au nom du couple et des deux familles pour votre présence à ce jour béni. So my name is Emmanuel Capri and I'm thanking you on behalf of the two families and on behalf of the new couple. Un remerciement particulier pour les invités venus des États de Burkina Faso et d'ailleurs. So I especially thank those people who came from Burkina Faso and our guests who came from different states. En effet, le mari et moi, c'est une connaissance quand il a quitté Californie pour séjourner à New York. Ok, I met the new man today. I met him actually when he came down from California. À l'époque, nous ne savons pas exactement la raison pour laquelle il quittait Californie. Les deux familles réunies en ce jour avaient bien eu une réponse à cette question. So when he came, he didn't know actually why he moved him from California to here. But today, looking at them sitting here as a wedded couple is an answer to this question. Nous, la sœur Nadine et le frère Ismaël aujourd'hui est le résultat concret de la patience, le courage, la confiance, la persévérance dans la prière et surtout la volonté de Dieu vivant. So the union of our brother Ismaël and our sister Nadine is the result of patience, courage, confidence, and perseverance in prayer, and mostly in the will of the living God. Ils ont toujours fait de Dieu leur appui. God has been a support for them all the time. Tout a commencé la nuit du 31 décembre 2013 à la Saint-Saint-Louis chez le pasteur Gabon. Things really happened on December 31st, 2013, at Pastor Gabon's house. Comme à l'habitude, nous remercions le Seigneur pour sa faveur dans le but durant toute l'année écoulée. And as usual, we are gathered to give thanks to God for keeping us safe all the year long. Et en même temps, lui présentons nos requêtes pour la nouvelle année. And at the same time, submit our request for the beginning year. Le couple comparé ici présent avait en commun une et une seule requête. Trouver le partenaire de leur vie. So the couple here had one and only one request, finding the person of the life, the partner of the life. Cette prière n'a pas été même car quelques temps après, par la direction de l'Esprit Saint, ils se sont fait connaissance. But this the prayer on that day was fruitful because after this they met and this is why they're sitting here. Après qu'ils se sont connus, Ismaël commença à avoir des problèmes parce qu'il ne pouvait plus annuler l'image inutile de sa pensée. After meeting, Ismaël started to go through difficulties because he couldn't take Nadine out of his thoughts. Après de multiples nuits blanches et la finition des bouteilles de vin et des boîtes de l'escapé, Ismaël. And after spending night without sleeping and finishing bottles of wines one after another, and drinking coffee, incapable de dévier ses penchés sur la plus belle créature qu'il a rencontrée, Jenna et Pia, il décida de faire un pas. Ismaël, not being able to take away Nadine from his thought, decided to fast and pray. Nous disons merci à Monsieur et Madame Savaglio, car Dieu a utilisé leur maison pour une fois de plus réunir nos deux frères et résoudre les insomnies du frère Ismaël. So our thanks especially go to Mrs. and Mr. Savaglio because they've been used for God to unite those two people. C'est là-bas que les échanges de numéros se sont faits et ils s'embarquaient dans une aventure amoureuse. And the concrete thing starts at Mrs. and Mr. Tobacco as the couple exchange numbers. La suite n'a pas été facile, car comme d'habitude, le destructeur qui implorait le voir des enfants de Dieu durer essaya de mettre sa main, tout en oubliant que le couple comparé c'est un Dieu et au-dessus de tout le tout Dieu. So the following steps were difficult because the enemy was trying to jeopardize the relationship, but he forget that this couple was made on Christ. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce infinie dans leur vie. So we are thanking the Lord for his endless blessings. Le 10 novembre 2015 fut une journée très spéciale pour Nadine. So November 30th, 2015 was a special day for Nadine. Mais surtout pour Ismaël.
but especially for Ishmael. Cette journée restera gravée à jamais dans leur dans sa mémoire car le mot lui longtemps attendu a été entendu. It will take him an eternity to forget this moment. Because on this day he heard the yes from Nathan. Ismaël, accompagné de quelques amis intimes et parents, se sont rendus au restaurant pour fêter la deuxième journée de Nathan le 2 novembre et celui de Mariam le 4 novembre. So this day actually it happened that Ismaël invited Nathan and Mariam to celebrate their joint birthday. Il décide de fêter les deux adversaires ensemble pour ainsi masquer cette intention qui était de lui proposer. The plan was actually for him to celebrate a birthday but do something else. Après un petit discours pour souhaiter joyeux anniversaire à sa bien-aimée. So after a word to say happy birthday to his to Nathan, Ismaël, à ce point tout nerveux et couvert de sueur, a pris son courage à deux mains, finit par s'agenouiller devant Nathan avec la plus belle de bagues que j'ai jamais vue. Ismaël was nervous and he took his courage and showed the proposal ring to Dave, and this ring was the most beautiful one I've ever seen. Il prononça la phrase magique que Nathan aussi avait aussi tant attendu. And then he said the word that Nathan also was waiting for. Toute surprise et remplie d'émotion, elle a enfin dit le mot tant attendu aussi de Ismaël. Nathan was so surprised and so moved that she basically said the word that Ismaël also was waiting for. Ce fut une très belle soirée et je me rappelle toujours de leur regard plein d'émotion. It was a very beautiful evening and I still can remember how the faces look like. Bien sûr, à partir de cette nuit, ils étaient faits l'un pour l'autre. And from the bottom of my heart, I knew that they would be one for another. Une seule personne disait que le miracle arrive au moment le plus inattendu. I learned from the wise man that miracles happen on the most unexpected time. Mais malgré que cette journée a été planifiée pendant des mois et des mois, c'était toujours rempli de miracles. And after this moment, miracles keep on coming on their way. Ismaël est toujours le plus heureux à côté de Nathan. Ismaël is all the time happy when he is beside Nathan. Et elle la plus souriante quand ils sont ensemble. And she is the brightest one when they are together. Ce qui les rend heureux aujourd'hui est l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. So what is making the happiness today is the love that they share. Ismaël, tu voilà en fait venu aujourd'hui devant Dieu et devant les hommes avec la plus belle femme que Dieu t'a donnée. So brother Ismaël, here you are sitting, blessed with the most beautiful lady given to you by God. Elle là, tu es là, chaque jour de ta vie. And she will be with you all the days of your life. À toi ma soeur Nathan, que le Seigneur te donne la sagesse à rendre ton mari heureux tous les jours de sa vie. And to you sister Nathan, may the Lord give you wisdom to make your man happy all the days of his life. Devant les difficultés de la vie, je prie à ce que vous n'oubliez jamais ce qui vous a uni. And when difficulties came to your way, I pray that you don't forget who made it, who brought us together. Que le Seigneur soit toujours le rocher de votre union et que le reste de votre vie soit rempli de moments agréables. May the Lord be the rock upon which your relationship is founded. Que de votre vie émane des actions de grâce, seulement dit que votre vie soit parsemée de victoire dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. And from life, and from your life, I pray that miracles and good things spring. Torn wind of eternal, rakatik asheta. Torn to some eternal, tamana fumba, tamana. Torn wind of eternal, rakatik asheta. Don't lose all the time.
torn wings.